Et bonjour tout le monde, on se trouve pour une nouvelle chasse légendaire sur Red Ben Clemson, donc j'ai vite fait la lire. Donc, gouverneur de New Austin, on voit déjà la zone, avis de recherche, récompense offerte pour la capture et la livraison mort ou vive de Ben Clemson le Rouge, ok, de la célèbre bande de Ben le Rouge, ok, donc c'est lui chef. Clemson est un braqueur de train et un tueur sans pitié. Vu pour la dernière fois à New Austin, c'est pour ça c'est le gouverneur de New Austin, chef de la bande de Ben le Rouge, c'est également un tireur d'élite. Bon, tiens, on a déjà eu un, vu qu'il venait de l'armée, l'autre. Aime les costumes élégants, armés et extrêmement dangereux. Donc, comme d'habitude, je vais me mute. Hop, j'accepte. Ouais, c'est un peu le bordel là dans la zone dans laquelle je suis. Je crois qu'il voulait même me tuer ce joueur-là. Il y en a un qui est passé juste à côté, je crois qu'il voulait me tuer. On va voir ce que ça donne. Donc, comme d'hab, je vais me mute. Vous allez tout vous taper et à la fin je donne mon avis. Une fois que ça commence. Et que ce soit sur New Austin, c'est cool car on n'en a pas trop fait New Austin. Quoique si, on en a fait quand même. On a fait, mais là on est sur un mec chef de bande. Ça va encore. Pourquoi pas? Puis c'est un afro-américain, donc on n'en a toujours pas eu. Donc c'est cool. Là je me mute. Red Ben Clemson dresses like he's on the way to church, acts like he's never heard a sermon. Rob enough trains, one of these companies is gonna put a price on your head, or maybe all of them. He's a hero to some folks, a villain to others, and most likely somewhere in between. Hey, this might interest you. A feller he used to run with lost his leg, became real bitter with it. He's got himself a vested interest in Ben's demise. Meet him over at Mercer Station, he might tell you where to go. Looking for Red Ben? She told me you'd be here. But you better hurry up if you want to catch him. They took over a train up near Armadillo. By now, they'd be going at quite a clip. So you have to find them near Tumbleweed and get on board somehow. And that's all I can give you for free. Past it made me a cripple. But that don't mean I'm gonna give them up on the plate for nothing. All right then, let me see. By the time you get to him, the train will be going through here. Get there quick, you'll find him.
From the looks of it, they've learned their lesson. Leave them outside. I'll get you your payment. C'était cool. Je l'ai tué sans faire exprès parce que je savais pas du tout que c'était lui. J'aurais dû faire un peu plus attention. Surtout que j'étais en difficulté 1, donc j'aurais pu largement l'avoir en vie. Mais c'était quand même bien sympa. C'est. Déjà. Oh, c'est encore le bordel. Hein. Oh ouais, c'est. On va se mettre en mode passif. Hein. Enfin, mode passif, moi j'appelle ça mode passif. C'est mode défensif. Même si c'est pas vraiment mode passif, ce serait bien d'avoir un mode passif dans ce jeu. C'est pas trop logique, mais bref. C'était cool. Le personnage est intéressant. Il a un peu élégant, tout ça au niveau de sa tenue. Même si je suis pas fan de la coiffure. Mais on s'en fout un peu. Que ce soit tout. Je crois que c'était qu'un. Si on peut dire un gang afro-américain. C'est sympa. Ça montre qu'au moins tout le monde peut être criminel. Ce qui est cool. Parce que je crois qu'on n'en avait pas encore eu afro-américain. On avait une mexicaine la première. Et après le reste, c'était pas afro-américain, donc là, c'est toujours sympa d'avoir un peu de diversité au niveau des origines. Après, que ce soit sur un train en mouvement, c'est plutôt logique, je prévoyais qu'il y allait en avoir un dans ce style-là. Mais c'est intéressant, au moins on est là, on peut soudoyer l'autre, je vois pas trop l'intérêt. Peut-être qu'on sait, on sait juste qu'il est sur un train, donc après on doit se balader sur la map pour trouver dans la zone dans laquelle on est, là, sur New Austin, où il peut se trouver ce criminel là. Peut-être, moi je l'ai soudoyé, j'ai rien payé, donc bon, peut-être qu'après il faut payer. J'imagine qu'en difficulté max, si on se fait griller, ça doit quand même bien monter la difficulté à se balader sur tout le train. Après ils ont pas de mitrailleuse, donc à voir, mais c'était intéressant. C'est pas le meilleur, mais c'est pas un des pires. Après au niveau de l'histoire, c'est pas exceptionnel, c'est juste un braqueur, c'est un truc basique. C'est pas comme certains où quand même il y avait un peu plus de profondeur, tout ça. Là, c'est quelque chose de basique, mais au niveau de la situation, vu qu'on est en mouvement, tout ça, on peut la jouer discret, on peut la jouer vraiment, on se ramène, boum, on chope le mec, et on se barre du train directement s'il est vers l'avant. Je trouve ça cool. Pour essayer d'avoir envie, sinon, au but vite fait, on jette du train. En tout cas, je trouve ça cool, on peut la jouer vraiment de manière différente. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!